Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 27 juillet 2022. Les marchés étaient en hausse bien avant l'ouverture. Tout ce qu'ils disent, c'est sur les anticipations de la Fed. Parce que c'est de deux choses l'une. Ils n'arrêtent pas de dire que la Fed pourrait être plus sévère, donc peut-être augmenter plus les taux d'intérêt, je serais surpris. Même ce matin, c'était 60-40. Des gens qui disent non, ils ne monteraient pas les taux à 1 %, ils vont rester à 75. C'est ce que je pense aussi. Mais c'est ça qui ferait monter les marchés parce qu'ils ne croiraient pas. Genre, en fait, ce que je peux voir, c'est que le marché ne croirait pas que Powell, il va vraiment être si agressif que ça. C'est pour ça que le marché remonterait. Il descendait hier à cause que les magasins de produits comme Walmart et Target avaient tous des mauvais résultats financiers. Ça fait que... on est dans un plafonnement évident là, depuis l'ouverture, pas longtemps après l'ouverture ce matin, avec une petite incursion ici. Là, vous voyez, on est revenu neutre partout. Du côté des ressources, il y a le pétrole qui a monté après, parce que lorsque les inventaires ont sorti, ça ne faisait rien pantoute, puis après, il est venu faire une petite passe là, par en haut, mais l'or remonte, l'argent a remonté, pardon, l'or a remonté, les mines ont remonté, puis l'uranium a remonté, mais quand on regarde dans les graphiques, là, il n'y a rien de très, très, très impressionnant, là, OK? Parce que c'est des très, 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 très petits mouvements. On va faire le tour tout de suite. Excusez, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, je vous reviens.
OK, désolé. Je check mon affaire à côté, parce que j'ai fait des transactions tantôt pendant que Justin était en onde, puis que moi, j'étais avec le gouvernement en train de demander un temps, un délai pour leur envoyer les maudits documents qu'ils voulaient avoir à propos de mes dents. Là, tu me dis une cochonnerie. Ça fait que cet après-midi, à l'annonce de la fête, c'est Justin qui va être avec vous. Parce que moi, je vais passer des prises de sang au CLSC. Et quand j'ai été passé ma quatrième dose, là, j'ai eu le rendez-vous la journée même, un samedi à 6h15. Mais pour passer une simple prise de sang, ça a pris 3 semaines de délai. Le système est un petit peu fucké, là. Fait que... OK, bon, attends un peu. On va regarder ici. OK, on a des questions là, mais on va les faire nos nouvelles avant. Il n'y en a pas grand-chose, anyway, aujourd'hui. Oh, attends un peu, j'ai une mise à jour là-dedans. Update, tu sais. Bon, les commandes de biens durables pour le mois de juin, ils attendaient 0.2, on a eu 0.3. Les inventaires de pétrole qui étaient attendus à moins 1 million de barils sont à moins 4 millions de barils. Bon. OK. Les ventes de domicile en attente pour le mois de juin, en réel, c'est moins 8,6. Ça fait qu'ils ne comprennent pas. Aux États-Unis, ils disent, écoute, les taux pour hypothécaires ont baissé, mais les maisons aussi, ils ont baissé. C'est pourquoi? Parce que les gens ont peur, à mon avis. ENPH, Rapido, regardez cette compagnie-là, Endo Pharmaceutical, là. Tombé sur le dos là, le matin. Là, regarde, c'était en hausse hier. Pow, a tombé sur sa nouvelle qui disent voit une forte croissance solaire en Europe alors que les prix du gaz naturel montent en flèche. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi, dire ça. Ben oui. Regarde. Teva annonce être dans un règlement d'opioïdes de 4,35 milliards. Donc, ils vont donner de l'argent aux États puis aux tribus, Teva. Mais il est en hausse là-dessus. Cherchez l'erreur, OK? Ils sont dans un règlement pour 4,35 milliards avec des États et des tribus des Premières Nations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être fini, cette histoire-là. Ça, c'est une acquisition. On passe par-dessus ça, PZN Investment, là. Un accord pour devenir une société privée. Bon, c'est ça. MKB, qui a décollé en haut. C'est fait un petit jump ce matin, là, de 5,25 à 5,5, 10 %, mais là, il redescend. Puis c'est quoi cette affaire-là de Vinette? Il envisage une offre sur la société Vinet. Donc, c'est une compagnie qui veut les acheter. Bon, ils ne savent pas combien, mais le prix est jumpé là-dessus. E-Home Household Service va explorer des programmes potentiels de traitement du monkeypox, la variole du singe. Ah, OK. Ben, je ne l'ai pas, ce stock-là. E-E-J-H. E-E-J-H. Bon, ben OK, ben il l'a attrapé, finalement. Il l'a attrapé, la variole. Fait que, ils ont voulu jouer avec ça. Ben regarde, c'est ça qui vous est arrivé. Bang! Des programmes potentiels pour le traitement du monkeypox via sa filiale Zumgrun Pharmaceutical. Puis l'autre, c'est Sidara Therapeutics, c'est CDX. Non, CDTX. Ouais, là aussi, ça vaut ce que ça vaut. Annonce un accord de licence avec Milina Thérapeutique pour la commercialisation de Rezafungin aux États-Unis. Bon. OK. Il a fait ça. Bon. Puis on est sur un top. Pas vraiment un bon point d'entrée, cette affaire-là. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Là, où c'est qu'on est rendu? Hop, mon Dieu, je n'ai perdu. Je fais 600 piastres tout à l'heure.
C'est parce que j'avais fait quelques petits trades pendant que Jocelyn il était en onde, comme j'avais shorté le gaz ici, avec mon prix de rachat, shorté le gaz là, puis mon prix de rachat qui est là, puis là, il est rendu là, puis là, j'avais encore cette position-là, mais j'ai tellement pas le temps de m'occuper de ça pendant un show. Mais par contre, j'avais shorté le gaz ici aussi, mais je l'ai racheté là. Pas le gaz, mais le pétrole. Puis là, ben, on attend. Puis j'étais convaincu que Plug, il replanterait, mais pour l'instant, je sais pas trop. Quel bord qu'il va aller, là, j'attends. Là. Fait que si ça remonte là, on va le flusher, tiens, à part de ça. Quand tu vois, avec le simulateur, je pourrais y mettre direct là un rachat de vente à découvert. Stop! Pouf! Oup! Pourquoi ça n'a pas fait? Pourquoi ça n'a pas fait ça? Rachat de vente à découvert. Stop! Là. Là ou là. C'est un peu ça. C'est 17,5. Ah, s'il y a 10 cents, c'est OK. Bon. Regarde, je vais le mettre pas trop proche. Bon. Ça doit être ça. Go. Ça fait que, bon, l'affaire est protégée. Puis, si j'aime. Puis là, ben, ça, je peux le canceller en cliquant sur le X ici n'importe quel temps. Puis, s'il s'en va par en bas, bon, OK, on va aller chercher un profit. Mais le trading est tough parce que c'est regarde, vous voyez, regarde, le gaz, là, il revient ici. Là. Bon, il y a sa tendance qui est. Il y a sa tendance qui est là, OK? Il y a sa résistance qui est ici. Mais moi, c'est là que je faisais le plus d'argent là-dedans, OK? Mais là, il remonte, là, j'en fais moins. Mais je ne veux pas remonter jusqu'à on n'en fait plus, OK? Ça fait que... On va monter le stop là. Parce que je ne veux pas perdre cet argent-là. Pas trop, trop proche, là, OK? Donc, le profit qui resterait, c'est ça. Voyons. Le profit qui resterait, il est là. De là à là. Excepté que, bon, il n'est pas encore traversé. Il ne monte pas avec des gros volumes. Bon, puis il peut bien revenir ici de tantôt, puis ça va revenir. Bon, l'important, c'est, comment dire, il n'y a pas de petit profit. Oups, j'avais oublié de mettre une alarme là. Et c'est boulot, check-moi le volume là-dessus, toi. Il est, bon, il va falloir avoir la loupe de Sherlock Holmes pour voir c'est quoi le volume. On va descendre les gros pour essayer de voir un peu plus. Là, on va descendre celui-là. Bon. OK. Bon, je le vois, là, OK. Ouais. Tu comprends? Ça aurait été un point de sortie si on était short, là, mais... Oh, crime! Attends un peu, regarde. On va faire un rachat de découvert short. On va le mettre là, d'un garde-droite, là, au-dessus. Go! Tu comprends? Parce que, moi, d'un coup, que le volume pognerait dedans, puis je ne suis pas en train de le regarder. OK? Et puis le reste. L'important, c'est qu'un bon trappeur, ça sait installer ses pièges, OK? Fait que il faut installer les pièges. C'est à 2 heures, à 2 o'clock, à 2 heures, que Jérôme, l'atténuateur, va parler. Je vais juste agrandir ça ici, là. Ah, non, ça n'a pas marché, mon affaire. On va le faire autrement. On va le faire comme ça. Parce que la... Donc, on voit là, c'est la grosse gomme là qui est poussée à la hausse. On va le voir le secteur mélangé. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, mais c'est bien plus des feux de paille que d'autres choses.
Fait qu'il y a eu de la volatilité ici ce matin en day trading dans les autos électriques. Ballard et Plug ils ont monté à l'ouverture, mais là, ils se déplacent comme ça. Mais c'est relié. Oups, je viens de changer quelque chose. Ah non, c'est ça. Mais non, c'est moi qui... Oups, ça va pas là, ça va là. Ça va là. Ah! Tu vois, quand j'ai fait une erreur, la patente est venue accrocher, puis la position s'est fermée. Bon, ça c'est le problème du simulateur, parce qu'on le fait avec la, on le fait avec la souris, puis si tu te trompes de bord, et si tu promènes la ligne, puis tu mets la ligne dans la zone du prix, mais t'es fait. Bon, OK, pas grave. Achat de mon prénom, Dave. Ah bon. Je sais pas si ça représente quelque chose d'intéressant. Bon, ben Dave, il a fait une poussée d'adrénaline le matin, Dave. Et puis, là, pour moi, on est comme... OK, on va mettre ça en 30 minutes. Il me manque un peu de perspective ici, là. Ah, OK. Bon, nous l'avons maintenant. Regarde, ça, c'est le top. Puis ça, c'est... Ça, c'est le couloir, à peu près. OK? Parce que ça en prend une qui est véridique, puis l'autre qui s'ajuste, puis normalement, on essaye de mettre ça le plus parallèle possible. Donc, Dave, on va mettre ça. Oups! What the barouette! VRAX, il vient d'en manger une. 20$ à 16$. Il vient de descendre de 20%. Pow! Dans quelques minutes. OK, on va aller placer le Tide aussi. Il va pas très bien. Hein? Ouais, non plus. Hein? Oh, attends un peu. On va peut-être mettre ça en minutes, premièrement, ici. Là, je vois plus grand-chose. Bon, PGY, IMPP, tout ça, c'est quoi qu'elle est? On va le mettre là, on va le mettre Dave. Puis on va mettre TFVA, ça ne fait rien. On va mettre Dave là. Bon. OK. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Sur Nasdaq. Achat, 85 cents. $84,5, ça va faire la job. Ah! L'échappé. Bon. $85,5. Donc, OK, je comprends. Vous l'avez acheté là, sûrement. C'était l'endroit pour l'acheter d'ailleurs. Avec le volume et tout, ça semble avoir été fait parfaitement là. Veux vendre la moitié vers 1,5. Ah, ben non! Mais non. C'est là le problème, là, Dave. Là. J'avais été trop gourmand. Regarde, vous êtes à perte, là. On fait une pause. Je vous laisse réfléchir un petit peu là-dessus, là. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console,
Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, Dave, on va faire le tour de votre affaire, OK? Ça vaut la peine là, de dépasser un petit peu de temps dessus parce que ça peut toucher tout le monde. Chaque graphique est différent, même si on retrouve toujours les mêmes formations, les cycles, les tendances, les hauts de couloir, les bas de couloir et tout, OK? Puis on retrouve tout dans cette formation-là. Quand vous me dites que vous l'avez acheté à 85 cents, là, bien, moi, je comprends que c'est là. Puis, je ne comprendrais pas que ça aurait été n'importe où ailleurs. Là, c'était trop vite. Puis là, vous auriez dû vendre. Non, ça ne devait pas être là. Ça devait être ici, parce que c'est ici qu'il y a eu un gros différentiel. En tout cas, le signal du siècle, bien, du siècle. Un signal à 90% de possibilités de profit ici, OK? Donc, là, j'enlève les lignes. Je vais vous faire un zoom. Là, je ne m'occupe plus de mes positions, là, je n'ai pas le temps. Un petit moment, j'ai perdu l'endroit. OK, ben, on enlève ça. Encore 400 bières de profit. C'est correct. Bon, c'est là qu'on était. OK. Bon. J'ai fait un zoom, puis regarde, on va se mettre avant la place que ça aurait dû être la place. OK? On va se mettre là. Fait que, voyez, on s'en va de côté. Ici. Même légèrement en correction. Puis avec une belle résistance, puis avec des bons volumes, puis avec un couloir qui est là, qui pourrait, si ça repart en haut ici, là, bien là, on va avoir un nouveau couloir, OK, qu'on peut extrapoler aussi comme ça. Fait que c'est très, très, très positif si on a un décollage là et qu'on a un volume aussi qui va aller avec, OK? Là, le graphique avance tout seul, même si je suis dans un zoom, hein? mais là, on est dans un graphique en une minute. Fait qu'on a une cote à toutes les minutes, là, ça va être long, on va l'avancer avec la flèche de droite. OK, bon, un autre cote, hop, pelle-air. Regardez, ici, là, on a le volume, on a la cote, puis ça, c'est un point d'entrée. OK. Ça, c'est le point d'entrée. Techniquement parlant, c'est 100% winner. Regarde, il n'y en a pas de problème. OK? Pas un breakout d'une journée. Là. C'est un breakout qui vient juste d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on pouvait le suivre. OK? Ouais, non. Excusez, je pêche toujours sur le mauvais piton. Là. OK. Bon. On pouvait, c'est parce que je clique dans le graphique en haut, là, fait que regarde, je vais l'agrandir par là, ça va arrêter de faire ça. Bon, fait que, oups, le gars, il vient de faire une autre cote. OK, on va reculer en arrière une cote. Bon, on va enlever les lignes. On va dire, regarde, j'allais vous dire, ting, OK, on le suivait, d'accord? On le suivait parce qu'ici, on a une opportunité. Les creux sont tous plus hauts, ce qui nous donne une formation triangulaire ascendante. Donc, les acheteurs vont constamment confronter le prix le plus haut. Les vendeurs ne reviennent jamais plus bas. Donc, il nous manque la cote
et il nous manque le volume. OK? Donc, mais déjà là, avant qu'on l'ait, on va revenir une autre carte en arrière, OK? Juste pour pas qu'ils prennent d'avance sur moi là, OK? On va revenir une carte en arrière. Bon, mettons, OK? S'il décolle là, avec un volume de même, on achète. Mais on sort où? On prend un profit où? C'est ça la chose la plus importante dans le trading. Bien, non, mais trouver les bons points d'entrée, là, ça, c'est une chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'une fois qu'on a notre point d'entrée, là, ça nous prend un prix de sortie en catastrophe. Ça nous prend un point de prise de profit ou qui va éliminer la catastrophe. OK? Puis après ça, deuxième, puis un troisième, puis regarde. Puis, fait qu'on va avancer avec lui, là. Fait que là, s'il décolle, ce qui va arriver, on le sait, s'il décolle, puis il y a le volume, on achète, on sort où? Vous avez deux options, OK? Regarde, à très, très, très court terme, si on veut limiter les dégâts, là, regarde, c'est là, là, OK? 10,40, non, pas ça, pas en tout, là. Je vois pas par-dessus. OK, 82 cents, 81 cents. OK? 81 cents ou 77 cents? Bien, mais quand vous allez acheter, là, ça va être 86 cents. Donc, à 86, si ça ne marche pas, vous pourriez perdre jusqu'à 82 ou jusqu'à 76. Bon. Ça, c'est 86, hein? On a dit. Bon. Fait que c'est 10 cents. OK? C'est 10 cents. Le prix catastrophe, il est à 10 cents en bas. Ça veut dire que la règle, c'est que là, si vous obtenez la cote ici, si vous obtenez le volume là, puis que ça s'enclenche à la hausse, là, bien, si vous achetez pas après 25 cents, là, vous l'achetez dans la cote. Regarde, là, vous l'achetez là, OK? Bien là, on a 10 cents, OK? Donc, c'est 85 à 95. Parce que aussitôt qu'il aura atteint 95, là, il ne nous coûte plus rien parce que le prix catastrophe, il est payé. On a vendu à moitié à 10 cents de profit. On peut ramener l'autre moitié à 10 cents de perte. On ne se rendra pas non plus jusque-là, OK? On avance tranquillement. Bon, regarde, ça monte, ça monte. Ça, c'est quoi le prix ici? Le haut, c'est 91. OK? Là, regardez, trois cotes de côté. On a un top. OK. Mais non, mais oubliez pas vos couloirs, là. OK. Es-tu plus haut, le couloir? Ouais, ouais, encore un peu de place, là. On va le toffer un peu. C'est peut-être un petit peu de bonheur. OK? Oh! Oup! Attention! Oup! On est rendu à 80... on a touché 95. Ici. OK? Fait que, regarde, là, on est dans un graphique en temps réel, là. Il avance d'une minute de la cote à la fois, là. Regarde, vous pouvez toujours prendre un profit encore à 95 cents, là. Mais regarde, en prenant votre profit ici à 95, votre prix de revient... à 95, votre prix de revient vient de tomber là. Bien, vous ne pourrez pas perdre de l'argent là-dedans. Parce que vous allez tout flusher quand il va revenir là, au prix payé. Vous comprenez? Puis regarde, des chances, des fois, il n'a pas rien qu'une, là. OK? Regarde, il s'est corrigé. Ah, j'ai pas pris mon profit sur le top. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, mais là, s'il s'en va à mon prix payé, je vais être obligé de sortir, j'aurais pas fait d'argent. Bon. OK, regarde, c'est fatigant, ça. Tu comprends? Bien fatigant. Le pire, c'est que on a acheté, il y avait un profit, on l'a profité, on ne l'a pas pris, on est revenu au prix payé, puis on est sorti. Bon, tard de joie le vert, gars, il est encore revenu à la même place. Fait, vous comprenez-vous, c'est l'histoire, là, il n'y a pas de petit profit. Quand on identifie bien un cycle haussier, des fois, ils sont bien plus payants. Des fois, ils font 10, 12, 14 %, mais des fois, ils font 6, 7 %. Puis on ne peut pas pogner du plus bas au plus haut, fait qu'il n'en reste pas, mais c'est profit par-dessus, profit par-dessus. Regarde, vous savez comment que ça descend un portefeuille? C'est à force de
une petite perte, puis une autre petite perte, puis une autre petite perte, puis une autre petite perte. C'est ça qui fait descendre un portefeuille. Mais ce qui fait monter un portefeuille, là, c'est un paquet de petits profits. Des fois, il y en a des gros. Des fois, on a des stocks en soins. Puis dans un bull market, on va pouvoir rester plus longtemps, plus longtemps. Mais on n'est pas dans un bull market, on est dans un bear market, puis on joue des rebonds à la hausse. Vous voyez, je viens de vous en montrer. Fait que, encore une fois, ce gars ici, là, il y avait 88, 97 à faire. C'est tout ce qu'il y avait. Puis regardez ce qui va arriver. Wow! Wow! Double top, là. Non, mais la tendance... J'ai encore fait le même joke, la même erreur. La tendance qui est ici, maintenant, regarde, si on suit les sommes. Ici, elle s'est arrêtée là, OK? Elle est redescendue, elle est remontée. Ça a pris du temps avant d'arriver au sommet. Mais là, on est encore dans une phase neutre. Regarde, lorsque le cycle s'est complètement annulé, ça veut dire que tous les acheteurs qui sont rentrés n'étaient pas tous ressortis ici. Mais tous les acheteurs, les acheteurs n'ont pas voulu payer plus cher qu'avant. C'est pour ça que le titre, il descend par là. Fait que là, ici, là, il n'y en a pas là, des points d'achat. OK? Parce que là, même s'il remonte ici, on n'achètera pas ça. Ça fait deux fois que les acheteurs ne veulent pas payer plus cher que ça. Le seul moment qu'on achèterait ici, c'est une fois qu'il y aurait eu une méchante belle pause là, puis que là, il redécollerait encore avec des gros volumes. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, il revient. Wow! Hey, on vient les vendeurs ont vendu ou les vendeurs ne voulaient plus vendre. Ouf! Les vendeurs ont arrêté l'espace d'un souffle ici. Ouf! Puis ils sont remis à vendre encore. Fait que là, on n'est pas dans les conditions d'achat, là. OK? Fait que là, j'avance. Bon, peut-être, à un moment donné, un petit peu plus tard, on aura un autre mouvement ici. Seulement si le volume est là, mais il n'est pas là, dans le moment. Fait que, ben ouais, il n'y avait pas un million à aller chercher là-dedans. Il y avait un petit peu d'argent à aller chercher là-dedans, mais c'était un trade potable, là, que je dirais. Mais moi, je trouve que vous avez manqué votre occasion de prendre des profits dans les 95 cents. Parce que 10 cents sur 85 cents, c'est un méchant gros pourcentage à l'intérieur de la même heure, OK? C'est 11 % quelque, là, à peu près, 11 % dans une heure. Imaginez-vous ça annualisé. Non, moi, je ne sais pas où vous avez pris votre prix de 1,5. Je vais retourner un petit peu plus loin, là, pour aller voir. Attends un peu, je vais enlever le zoom, là. Bon, là, je vais enlever le zoom, hein, et puis là, bon, OK. Je vais aller voir plus loin. Ouais. Ben, moi, c'est le prix d'une pièce de 5, là, que je trouve qui était pas bon. Votre objectif était beaucoup trop. Beaucoup trop. Regardez. Il aurait fallu qu'il refasse ça, puis encore un autre cycle pour y aller. Mais vous n'avez pas profité du premier. Puis vous en attendiez encore un autre. Donc, si vous n'avez pas pris votre profit, ben là, vous êtes au prix payé, là. Fait que là, la question est, je reste-tu là? Qu'est-ce que je fais, là? Vous n'avez pas pris de profit, puis là, le stock tombe à 80, vous allez être obligé de sortir. Bien, pas obligé, là. Mais techniquement, ce sera un signal de vente. J'ai acheté ce matin FM 9h43. J'espère que ça vous a aidé, là, cette explication-là. J'ai acheté FM 9h43. Bon, le dollar redescend, mais pas les autres. FM. Minière, FM. OK, sur le support. Au prix de 19,20, il vaut 19,60. Mais vous voyez, regarde, on est dans. Vous voyez mon petit rectangle, là. FM. Il est plus bas que son bas de l'année. Ouf! Il est sur le bord de la catastrophe. OK? Donc, vous avez acheté un support, mais ça reste un bon support.
mais un support dangereux. Vendu la moitié à 9h à 9,50. À 9h57, 19,75. OK, j'allais chercher un beau gros 50 cents. Je fais quoi avec le restant? Facile. On met ça en 2 minutes. OK? Non. 19,40. Bye-bye. Mogo! Toronto, Mogo. Ah, je suis dû pour une pause, moi. J'ai faim. Mogo, M-O-G-O. Hey, toutes les maudites affaires de COVID, là. J'avais plus d'appétit, mais là, j'en ai trop. Mogo Toronto, il est plate en day trade, en tout cas. Ben oui, il y a 15 000 actions transigées là-dessus aujourd'hui. Mogo Toronto pour un in. Ben là, si vous avez une grosse. Ça va vous prendre une petite trédorette pour calmer votre démangeaison, là. Ben, garde, mettez pas tout votre argent là-dedans, hein? Parce que ça va pas très bien, la compagnie. Et on a mangé une méchante claque. Imaginez-vous ceux qui ont payé ça 15$. Là, ça vaut 1$, c'est 18. Moi, je me garderais une petite gêne, là. Chutez-vous, là, je toucherais pas à ça à moins qu'elle passe les 1,5$. Puis avec du beau gros volume qu'on verrait. Tu sais, regarde ici, elle a fait 2,5, 3,5, elle a fait 30%, là. Mais c'est une grosse tendance baissière. Elle était foirée à terre, elle rebondit même pas. Je ne toucherai pas à ça avant 1,5$, moi, en tout cas. Pour les prises de sang à Québec, par Clic Santé, c'est 2 mois d'attente. C'est encore bien pire. C'est encore bien pire. C'est effrayant. Hero à Toronto, 450 actions, 11,54. Hero comme érotique. Bon, hein, c'est ça? Oui. Hero Copper. C'est exactement la même formation qu'on vient de voir dans l'autre. À 11,54, quoi faire? Ils vont 11,47. Oh, ben, regarde, vous avez bien des choix rendus à cette étape-là. C'est un peu comme le reste du marché, vous savez. On est en bear market, puis on se demande si on va redécrocher. Fait que, regarde, il ne s'est pas arrêté là pour rien, hein? Regarde, on touche les 3 plus gros creux, puis là, il est arrêté là. Donc, quoi faire? Ben, pour l'instant, il est en hausse, 11,5. Vous l'avez payé 11,54. Bon, il est à votre prix payé. Vous venez juste d'acheter ça, dans le fond, ou bien vous l'avez acheté en 2020. Et hop, quand il était militaire. OK, c'est tout. C'est pourquoi j'ai. Pourtant, j'étais en 30 minutes. Bon, des fois, j'ai pas beaucoup de data. Mais il n'y a pas quand même bien de la place. Il y a 20 cents, là. Fait qu'ici, ça a résistance. C'est clair que, regarde, comme des centaines de choses sur le marché sont prêtes pour un rebond, là. Non, mais regarde, on n'achète pas ces tops, on achète dans les creux, là, puis là, mais ça va pas toujours bien loin. Puis là, pour l'instant, il y a tellement pas de force. C'est le point d'achat, là. Je sais pas quand vous l'avez acheté. Si vous venez de l'acheter là, c'était pas la meilleure idée. Mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bon, en tout cas, la protection serait à 11,5 piastres. Hein, c'est ça? 10,5. Quand même une grosse perte, là. C'est 10,5. Je ne penserais pas qu'il irait. On va le mettre de même, là. 10,5. Ouais, c'est ça, 10,5. Je ne penserais pas qu'il va y aller. Je pense qu'il y avait des bonnes chances de connaître une petite passe. N'hésitez pas à prendre des profits quand il va aller par là pour protéger votre position. Parce que, regarde, ça reste quand même une grosse tendance baissière. Ouf, c'est la plus abrupte là, qu'on a. Fait que, mais il y a quand même un potentiel jusqu'à à peu près 15,5 piastres. Mais dans le moment, c'est précaire. Si ça tombait de l'autre bord, ça veut dire que le marché serait en train de se péter la gueule.
Je veux dire, ce serait un point de sortie. PGY, est-ce que tu pourrais analyser PGY qui est passé de 10 à 24 piastres? Ben oui, mais on l'avait dans nos stocks ce matin, là. Il est là. Bon, il est ici. OK, mais regarde, il y a des fois ça monte, puis des fois ça descend. Ça fait que, vous avez dit, il est passé de 10 piastres à 24,94, mais pas aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il est parti de 10 piastres à 22 piastres. Il a monté de 7 piastres. Il y a eu plusieurs cycles, beaucoup d'occasions de day trading là-dedans, dont celui-ci que j'ai expliqué, il me semble, tantôt. Puis ça a été payant, là, 19,5, 22,5. Il est revenu, il a redonné encore un autre signal là, là, puis là. Toutes des belles petites passes à court terme, jusqu'à temps que, bouh, on inverse toute la patente. Complètement, on inverse le couloir, la tendance, les supports et tout le kit. Puis là, ben, il y a encore des croyants qui veulent faire de l'argent avec ça, mais là, les volumes, ils sont beaucoup plus faibles qu'avant. Mais il n'y avait pas vraiment de questions dans votre question, dans votre commentaire, Robert. Le simulateur, il n'est pas fait pour les 69 ans, trop de pitons. Ben moi, je m'excuse, j'en ai cash, mais j'ai 69 ans. Puis, je suis capable de l'opérer. Mais tu n'es pas obligé, de gérer 10 transactions en même temps. Les pitons sont super bien simples. Puis, de toute façon, regarde, on pourra faire un petit bout de formation là-dessus une journée pour vous montrer jusqu'à quel point c'est simple, là. Non, mais c'est tout intuitif. C'est comme un guichet automatique. C'est bien moins compliqué que de faire des transactions dans un site de transactions. C'est juste que, en même temps que tu fais des émissions, là, c'est peut-être pas la meilleure affaire. On fait une autre pause parce que c'est difficile d'être concentré. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Je cherche un exemple, mais je n'ai pas vraiment des bons là, dans le moment, à part American Airlines, mais il aurait fallu le poignet là ou le poignet là. On est entre les deux, puis on est sur le top d'un couloir, parce que je vous l'aurais montré comment c'est niaiseux. Mais là, je fais un trade. Je ne vais pas le shorter pendant qu'il est en ascension. Puis je ne vais pas l'acheter parce que j'y ai sur le top, là. Fait que, regarde, les points d'achat sont là, puis là. Il n'y en a pas eu d'autres.
Fait que c'est pas toujours facile de trouver, surtout avec le marché qu'on a là, qui est épouvantablement difficile, parce que sans expérience, les gens peuvent faire tout plein de petits mauvais trades, puis finalement, faire plein de petites pertes au lieu de profits. Fait que c'est vrai qu'on a un marché compliqué, là. Faut quand même pas le dénier. En passant, Dave, tantôt, là, celui qui a acheté, je me souviens plus c'était quoi le prix, là. Il me semblait que vous aviez passé par-dessus l'occasion de prendre un profit. Regardez, là, les acheteurs qui sont rentrés ici, ils sont sortis. OK? Donc, on est revenu à la case départ. Donc, 80 cents ici, là, c'est le point de sortie en catastrophe. Puis VRAX aussi, là, il est pas loin d'un point de sortie en catastrophe, lui aussi. Bon, j'ai bu mon verre d'eau trop vite. Ça, c'est quoi? SIDG. Ah, OK. Bon, pas des gros volumes. Il y a quelques petits mouvements. Tiens, PGY, tu vois, les volumes étant toujours de plus en plus petits, il a beau s'essayer, là, mais ça, c'est la place gazante, là, difficile. Parce que, regarde, c'est un couloir baissier ici, puis on essaye de faire de quoi dans un couloir baissier? Pff, écoute, regarde, il faut qu'il remonte là, qu'il se stabilise ici, puis il faut qu'il décolle là. Après ça, il va avoir juste le potentiel de là à là. C'est pas à chaque minute qu'un titre est intéressant. C'est qu'ils ont des périodes intéressantes, des périodes qu'ils ne sont pas. Regarde, tu peux faire de l'argent sur OXY, là, de 62,5 à 62,90, mais essaye pas d'en avoir plus que ça. Regarde, c'est ça qu'il y avait à faire. C'est tout. Puis là, il n'y a rien à faire. En pourcentage, c'était des pinottes. C'est sûr. Parce que c'est ce matin avant l'ouverture que ça s'est passé sur les marchés. Tu vois, là, je trouve absolument rien, là. Qu'on pourrait même faire une simulation de trade, à moins qu'il se passerait de quoi, un peu comme sur GBX, mais tu sais, regarde, il n'y a pas de volume, tu sais, puis en plus, ça en va vers en bas. Fait que s'il aurait inversé sa tendance puis sa résistance ici avec un gros volume, on aurait pu considérer faire une démonstration ici. Bon, on vient d'avoir une petite affaire là, mais je l'aime pas parce que je trouve que ses volumes sont poches. Ben, il vient de faire 5 cents, 2 pièces, ben, 6 cents, 5, 6 cents, OK? Un cycle, 5, 6 cents. Fait que, comme on dit des fois, il faut choisir nos batailles, mais il faut choisir notre spot de chasse, il faut choisir le lac qu'on va à pêche, tu sais, il faut choisir l'hôtel qu'on va en vacances, il faut choisir la plage qu'on va aller se faire dorer le derrière, mais il faut tout choisir. Mais à la bourse aussi, il faut choisir. Il faut choisir. On voit des opportunités, mais on embarque dans celles que nous, on aime le mieux. Il y a un petit quelque chose ici qui arrive, là. Bon, il n'y a pas de potentiel, par exemple. 62,30 sur 10 cents. Mais regarde, ça va faire 10 cents. Là. Mais mettons, là, tu veux shorter ce stock-là. Regarde, t'allumes les petits pitons, là, puis t'as tout ici, là. Regarde. Achat marché, achat limite, achat stop. Vente marché, vente limite, vente stop. Vente à découvert marché. Mettons, on le vend à découvert. Regarde, marché. Combien qu'il vaut? 62 piastres. Tabarnou. On va en acheter, mettons, juste 200. OK? Puis, non, pas au simulateur. Pourquoi il ne l'a pas mis? Attends un peu. OK. Vente marché, 200 go. Bon, mais tu vois, regarde, elle vient d'être vendue au marché. Il va peut-être remonter, là. Il va peut-être redescendre. Puis quand tu regardes le portefeuille, tu le vois aller à mesure. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Bon, c'est ça. Tu vois, regarde, là, il est en temps réel, là. Attends, je vais le réduire. Attends, non, c'est pas ça. Non, lui doit rester là. Puis lui, je vais le mettre à côté. OK? Donc, regarde, là, tu vois, regarde, là, tu perds 20 piastres parce qu'il vient de rebondir. OK, on niaisait, là. On voulait juste voir si on pourrait se rendre jusque-là, là. Fait que, donc,
là, je reviens. Fait que là, on voit, là, regarde, on perd 20 piastres. Puis là, s'il redescend par en bas, on va se mettre à faire de l'argent. Puis si on veut le racheter, bien, c'est super facile. Il n'y a pas trop de pitons, il y a juste les bons pitons. Le jour, regarde, on l'a acheté ici, là. OK? Fait que là, si tu veux le vendre, regarde, position, bien, si tu cliques sur les X ici, là, ça veut dire que tu veux le vendre. Ou bien, si tu t'en vas dans le... Où est-ce qu'il est, mon simulateur? Bon. Tu regardes, là, dans le moment, là, elle perd 20$. Mais si tu veux la fermer, regarde, il y a le piton partiel. Fait que tu pourrais en vendre 100 ou toutes les vendre. Mais si tu veux la fermer complet, là, regarde, total, patard! OK? C'est fini. Regarde, elle vient de se fermer. Bon, je vous ai montré comment on pouvait perdre de l'argent, là, mais c'était juste l'idée de montrer comment ça marche. On l'a acheté là, on l'a vendu là. Tu as payé sur le bouton achat, puis là, tu as payé sur le bouton vente. Tu sais, il n'y a pas de temps que ça, des boutons. C'est les mêmes boutons que dans les maisons de courtage. Achat stop, achat limite, vente stop, vente limite, achat marché, vente à découvert marché. C'est les mêmes boutons que dans une maison de courtage. C'est pas si compliqué que ça. L'idée, c'est faites pas trop de stock en même temps, ça va vous donner de la misère. Prenez le simulateur, puis faites-en un, OK? Un, là, que vous dites, lui, là, hey, regarde, quand il va arriver dans les conditions, comme Michel dit, là, je vais appliquer ma théorie. Si ça monte, j'en vends. Ça monte encore, j'en vends. Ça monte encore, j'en vends encore. Vendez tout pendant le cycle aussi. Attendez pas qu'il revienne. Faites-le, cet exercice-là. Vous allez voir, vous accrochez un cycle aussi, aussitôt qu'il monte, vous prenez un profit, puis aussitôt qu'il monte, puis au prix payé, on ressort toujours. Puis plus ça monte, plus qu'on en vend. Un, deux, trois. Un profit, deux profits, trois profits. Ah, oh, puis regarde, il n'y aura pas plus loin que ça. Tu veux le cycle qu'il a fait? Trois profits. Vous allez voir à la fin de la journée, qu'est-ce que ça pourrait donner? Un stock à la fois, mais on pogne un cycle haussier et on joue le cycle haussier, puis plus ça monte, puis plus on vend. Essayez-le! Vous allez voir. Au lieu de faire des affaires bien compliquées, là. Au lieu de dire, regarde, moi, je vais faire 10 stocks en même temps, puis je vais faire 3000 aujourd'hui, là. Ben non, vous allez perdre 3000 parce que vous allez perdre le contrôle. 19 et 16, je regarde où on vend FM, on a fait ça tantôt. FM pour féminin. FM, les mines sont stables. AB, FM, c'est drôle, il me semble que j'ai répondu à ça, moi. Je regarde où je vends, 19 et 16, il vaut 19,61. Vendez la moitié de profit, puis gardez puis mettez le reste au prix payé. Puis là, vous n'avez plus de risque. Le risque est parti. DRX Toronto, on va aller voir c'est quoi avant. DRX. Yak. Yak. Et plate, cette compagnie-là. Secteur structure d'acier payé 2,20 en 2021. Vendu 20% de ma position à 1,40. Pas de volume de transaction. Équipe de gestion et de conseil d'administration qui dorment au gaz depuis des années. Aucun intérêt de la direction de maximiser la valeur pour les actionnaires minoritaires. S'il vous plaît, ton opinion pour le reste de ma position. Je conserve ou je vends ou je prends ma perte. Ben, c'est comme c'est dur de réparer les pots cassés, mais elle est moins pire qu'elle a été, là. Vous voulez payer 2,20. 2,20, c'est dans ce coin-là. Là, elle est... Ben, puis en plus, écoute, il y a de la grosse demande, mais y a-t-il des problèmes de matières premières ou quoi que ce soit? Je suis pas spécialiste dans le domaine. En tout cas, là, on a atteint un ben bon support. En tout cas, moi, je vendrais pas à moins qu'ils traversent une pièce et quart. Parce que ils vont peut-être essayer de réparer la situation puis de revenir plus proche de votre prix payé. Vente à découvert de verrues. Oh, les verrues, on devrait vendre ça à découvert, tout le monde veut s'en débarrasser. Les verrues. Oups, je suis pas à bonne place.
15,80 dans ce coin-ci. Le 15 juillet, là. Vente à découvert. Et rachat à 12,86, 26 juillet. Oh, oh, oh! C'était hot, ça? C'était hier. Objectif 11,5 pour le reste. Ah, ben là, on a un gros support à traverser. Hein? Mais votre prix de revient, il est dans zone blanche en haut de mon graphique. Là. On ne peut pas aller plus loin pour ça. Parce que 15,80, 12,80, c'est 3$. Ouf! Fait qu'il pourrait se rendre à 18-19$ avant de perdre de l'argent. Mais pour l'instant, faites attention. OK? Vous dites l'objectif 11,5? Ouais. Même 10,75, si je dirais. Par contre, toute cette histoire-là peut devenir fausse si on traverse là. Fait que regardez, je vais vous tracer les supports, les résistances précédentes, OK? Peut-être en 10 minutes. Bon, regardez les résistances. Oups, celle-là n'était pas bien belle. Celle-là, mais non, voyons, là. Puis résistance ici, OK? Donc là, si jamais on se met à... Premièrement, on a traversé la ligne de tendance. On a traversé la ligne de tendance côté jardin, là. OK? Puis là, maintenant, elle est traversée, puis la ligne descend, puis le stock s'en va de côté. C'est toujours la résistance qui est la précédente. OK? Donc, elle. Ça fait que... Donc, je vous dirais, moi, là, que le prix de rachat total du reste de la position, là, c'est 13$. ATH, bon pour un swing. Ouais, dans un nouveau haut, mais là, pas de suite. Pas de suite. Non, pas de suite. Non. Tu connais ici l'histoire de la souris et la souris à grande bouche? Le crocodile qui rencontre la grenouille à grande bouche. Le crocodile dit, « T'as-tu vu des grenouilles à grande bouche dans le bout? » La grenouille, elle répond, « Non, on n'en a pas du tout par ici. » Il demande drôle, c'est tout là. Fait que là, ça va être la correction. Justin, il y a une chanson là-dessus, le Solution, correction, chanson de Robert Charlebois. Ça doit être la correction. Puis la question, c'est quoi? ATH pour un swing? Ben, si ça vous tente de vous faire swinguer par en bas, oui. Non, je ne l'achèterai pas là. Trop risqué. Regarde. Top de cycle, haut du couloir. Tout fait que non, pas mûr. Est-ce trop tôt pour aller baisser dans le gaz? Non. Côté fondamental, j'ai un peu de misère à m'y retrouver là parce que y a un effet. À mon avis, il y a un effet important sur le prix du gaz, c'est que la Poutine s'est trouvé une place pour vendre son gaz. Fait que l'Europe, il pensait que Poutine était dépendant d'eux autres parce qu'il a besoin de vendre son gaz, parce qu'il a besoin d'argent. Mais là, il vient de couper le Nord Stream numéro 1, OK? Passe plus de gaz, il n'y a plus de gaz qui s'en va en Europe. L'Europe a dit qu'ils ont des nouvelles stratégies, c'est politicoïrie. Regarde, ils disent qu'ils vont avoir du gaz qui pourrait venir des États-Unis. Ouais, tu vas l'envoyer comment? Tu vas faire un pipeline en dessous de l'Atlantique?
où tu vas envoyer tes 8 bateaux avec des cloches blanches pour downloader du gaz là-bas, qui va coûter 4 fois le prix du gaz russe. Mais non, les Russes, ils ont construit un pipeline, ils sont en train de le construire depuis 8 ans, puis les Russes, ils vont envoyer l'or, ils vont envoyer le gaz à la Chine. OK. En plus, ils vont le vendre pas cher. OK. Juste pour faire suer l'Europe. Non, non, regarde, c'est pas fini, là. Il y a une grosse partie de claque sur la gueule, là, qui est commencée. Ça fait que le gaz, pas toujours facile à prévoir de ce temps-ci, parce que il s'agit d'une nouvelle politique qui sort, puis bang, ça bosse, bang, ça redescend. Mais si j'avais à prendre une décision, techniquement, ben, je dirais que le gaz est dû pour une correction. Hein? Non, tout de suite. Bon. Attends un peu, ici. Mais regarde, la plus belle preuve, c'est que moi, je l'ai shorté après-midi à 29,70. OK? Puis, je l'ai shorté là, ici. Puis ça, c'était mon rachat, là, moi, le décembre, quand je vais le remonter ici. Parce que si jamais il inverse sa tendance qui est là, puis qu'il inverse sa résistance, moi, je débarque. Fait que mon prix de vente, il est là. Le reste, on s'en fout. Regarde, USO que j'avais re-shorté tantôt, regarde, j'ai mis un point de sortie là. Il redescend. OK. Qu'est-ce qu'il y a pour ça dans mes affaires? Les neuf graphiques. Ah, tiens, j'avais shorté Mara aussi le matin. Bon, il a fait un petit regard. Ben, regarde, il redescend, là. C'est une démonie, ça. Plug. Ah, c'est vrai, il s'est racheté par erreur tantôt. Regarde, ça me fait chier parce que, regarde, là, c'est une démonie. Tantôt, quand j'ai brassé les graphiques, j'ai passé ma ligne sur le point de vente, puis il s'est flushé. Bon, regarde. En jouant avec le simulateur, vous aussi, vous allez en faire des erreurs, mais c'est vraiment fantastique. Ça travaille vraiment très bien. Non. Bon. Ben, ça fait 500$. Ben, quand même. Mieux qu'une claque sur la marboulette. 500$. Point d'entrée Magna. OK, Magna à Toronto. Ben, regardez, on a une tendance baissière. On a un peu inversé la tendance baissière, mais on n'a pas traversé la résistance. Fait que dans le fond, ce serait 85$, mais c'est 5$ plus haut. Fait que, mais il y a à peu près 6% entre les deux, là, pour aller là. Là, il est en 10, mettons en 30 pour voir si on a un peu d'espace. Work. Bon, mettons 80,5$. Ouais, 80,25, 80,5. Mais à 84, faut diminuer la position. Ceci. Si. Donc, 80,5 à 84, 3,5$. On drop 50-75% de la position là, à 2 heures. Suggestion de sondage à tes auditeurs. Cet après-midi, la Fed va augmenter ses taux d'intérêt de 75 ou 1%. Pour ma part, je crois que la Fed va imiter la Banque du Canada à la mi-juin et va augmenter son taux de 1%. On l'a fait, c'était 60-40. On peut le réessayer. Bon, non, ça marche pas pendant les pauses, hein. C'est ça que, hein, je pense que ça marche pas pendant les pauses. Je vais essayer, voir. Je vais faire une pause, puis je vais regarder, voir si ça marche pendant la pause. Non, pas cependant. Ce que je vais faire, c'est que faut que je vous pose la question avant. Pensez-vous que ça va monter de 75 ou 1%? Oui, c'est 75. Ben, je sais pas si c'est oui ou non, là. J'ai juste le oui ou non. Fait que oui, c'est 75, puis non, c'est 100, OK? Oui, c'est 75, puis non, c'est 100. Bon. J'allume le bouton. Non, pas ça. 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 Là, il est là, le bouton, puis si je fais une pause...
je fais une pause, il disparaît. Bon, je le poserai après la pause. OK, on fait la pause pareil, parce que... Faut que je la vois si j'étais encore un petit garçon. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On est revenu. Hop, je ne suis pas dans la bonne page. Oh, là, on est dans la bonne page. Un petit moment. Bon. Où en sommes? OK, on va. Attends un peu. Je vais effacer ça. On va recommencer le sondage. Oui, c'est. Les gens pensent que ça va être 75, puis non, les gens pensent que ça va être 100. Donc, oui, c'est 75, puis non, c'est 100 points. On passe ça. De même. On l'affiche. Puis là, il y a. Puis on peut passer à d'autres choses. Bon, le marché est lancinant et pénible. Là. Regarde, c'est comme... Bon, pour l'instant, on descend tranquillement là, vers le support pour Nasdaq, mais c'est slow-mo en titi aujourd'hui. Là. Depuis l'ouverture, c'est pas passé grand-chose. Dans nos secteurs mélangés, c'est rendu pareil aussi. Là. Regardez, on s'en va vraiment clairement de côté partout. Mais pas par en haut. Il y a eu American Airlines, sûrement eu une petite info parce qu'il y a eu deux tours de volume, mais c'est drôle parce que les autres n'ont pas réagi à ça. Bon. Ça, c'est quoi? Ah, c'est les bébites. Les blockchains et Bloxy. Bon, c'est quoi qu'on est rendu? 38. Bon, regarde, c'est quand même encore 60-40, hein? Donc, c'est pas mal 60-40 que de gens qui vont penser, qui pensent qu'ils vont dire, qu'ils vont dire 1%. Merci d'avoir répondu. Fait qu'il y a plus de monde qui pense qu'il y aura 1%. Votre conseil de 3 profits en montant est-il valable aussi pour le swing? Absolument! 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 Surtout dans un bear market. Parce que dans le moment, on a juste ça, des upswings. Puis je peux vous le prouver, là. Regarde, je peux faire un scan sur n'importe quel marché avec n'importe quelle donnée que vous voulez que je regarde, là. Puis on va regarder l'ensemble. Vous allez voir, là. Les tendances haussières, là, c'est même pas un titre sur 100. Puis s'il y en a, c'est des FNB baissiers qui montent parce que le marché descend. OK? On va faire l'expérience. Bon, vous expériencez ça, mon cher ami. Check-moi ça. Regarde-moi le géographique. J'enlève toutes mes lignes. OK? Puis là, on se met sur un an, même 5 ans. Oups, c'est un peu. Mauvais piton. 5 ans. Puis là, on va faire un scan. Oh, tiens, regarde, en plus de ça, on va être bon joueur, là. On va demander, hey, qui c'est qui bouge le plus en pourcentage aujourd'hui à la hausse sur la bourse, parce que j'ai demandé gagnant sur la bourse de Nasdaq. Voici les champions de la bourse de Nasdaq pour la journée. Puis là, attends un peu, t'enlèves d'où. Bon, oups.
Bon, on est en quotidien. Pas quelle heure c'est arrivé, là, cette affaire-là. Là. Mais, bon, OK. Il a 100 % bien, il a fait 91 % aujourd'hui. On l'a échappé quelque part, mais il a fini par faire 1 million, mais il ne va pas faire tant de volume que ça ce matin. Bon, il y a lui. Bien, regarde, ici, on a, ici, mais là, on n'est plus d'une tendance haussière. Là. Regardez, là, c'est un titre là, qui mangeait ses bas. Là. Paf! Il a rebondi d'un coup. Il doit avoir une nouvelle importante sur ça, sûrement. Là. OK, puis il est revenu là. Mais il y a encore un futur, il y a encore une volatilité. Il sera intéressant plus tard, mais hop, l'histoire est passée. Mais ça, c'est un cas d'exception. C'est une toute jeune compagnie qui vient de sortir une nouvelle aujourd'hui. Puis regardez, elle tombe comme une roche là. Pourquoi? Parce que, regardez, pourquoi? Pourquoi? Voyez-vous? Regarde, je vous enseigne ça à l'année, là. Regarde, elle a traversé son couloir, là. Fait que ceux qui étaient dedans, là, le problème, c'est ceux qui ont acheté là, parce qu'il va revenir dans le couloir qui est là. Ça, c'est sûr. Et regarde, j'ai 9 chances sur 10 d'avoir raison. Fait que moi, je suis comme à Las Vegas, les odds. Et regarde, c'est ça. Regarde. What happened in Vegas? Stay in Vegas, OK? mais c'est ça, les odds. Fait qu'on passe au suivant. Il est quand même le fun, on va le garder, Fly, LFLY. Je vais le mettre dans mon tableau aussi. Roblox, il est plate, là. LFLY. C'est mon, le nouveau, on venait juste de le trouver sur un scan. Puis regardez, le volume était malade. Là. C'est des 200 000 par minute. Puis regardez, là, il tombe comme une roche. Là, mais il s'en revient ici. Là. Il va revenir à peu près aux alentours de 7,60. Là. Sinon, s'il se fait une pause avant puis il repart, bien, il change de couloir. Il va changer de couloir. Mais pour l'instant, il redescend là-dedans. OK, next. OK. Bon. Fait regarde, il y a plein d'affaires, là, qui des compagnies, regarde, qui transigent pas beaucoup, qui sont pas intéressantes, que personne connaît. Enfin, je n'ai pas le temps d'aller changer le nom, là. Puis regarde, ça a décollé en haut ce matin, puis ça redescend. Pas de tendance haussière là-dedans, là non plus. Là, un gros rebond d'une compagnie qui était nouvelle. Qui a jumpé à 8 heures sur sa nouvelle, puis que depuis ce temps-là, elle ne fait que redescendre. Bientôt, on va faire un test le matin après l'ouverture de shorter les stocks qui plantent tout de même. Mais ce n'est pas des tendances haussières. Regarde, c'est des tendances baissières. On a des mouvements à court terme. Bon, ça, là, c'est nouveau. C'est PGY. C'est d'ailleurs un de nos titres qu'on a ici, OK, qu'on a travaillé avec toute la journée. Donc, c'est comme des exceptions-là qu'on trouve dans un scan. Mais regarde, des tendances haussières, là, il n'y en a pas bien. Commence à avoir des intentions parce que le marché a ralenti un peu, mais la grande majorité, c'est toutes des tendances baissières. Il n'y en a pas gros quand tu regardes, je te jure, il faut que tu roules la roulette. Regarde, c'est juste des stocks qui tombent. Mais il y a toujours les cas d'exception. Ça, c'est le bon de souscription de la compagnie qu'on regardait tantôt, mais qui sont vraiment intéressants, les bons de souscription aux États-Unis. Ça fait que, regarde, tu roules, ce que tu vois, c'est des tendances à la baisse. Puis il y a une couple de cas d'exception qui ont fait des mouvements. Ça fait que nous, on se spécialise un peu dans les cas d'exception pendant le temps où ça va mal. Mais quand on se met en quotidien, y a-tu des cycles haussiers? OK? Mettons, là, on va aller sur Toronto. OK? Yeah. Toronto, qui c'est qui monte? On va le mettre en dollars. Tiens, on va le mettre en dollars. Qui c'est qui monte le plus en dollars aujourd'hui à Toronto? Dans un marché comme on a là. OK? Bon. Tu as Enphase, là, qui est ENPH, là, qu'on avait aussi dans nos nouvelles. Bon, l'histoire est finie.
Après ça, regarde, t'as des titres comme Tesla qui dans le graphique quotidien, ça a peut-être l'air de rien, mais en pourcentage, 7,87, 812, c'est sur des 100 piastres. C'est comme 8,87. C'est comme 7,87 à 8,12. Tu comprends? C'est comme 20 cents sur 10 piastres. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui fait que, regardez, quand vous tombez dans des mouvements en swing, comme ici, là, ce que je voulais vous montrer tantôt, là, si vous entrez dans un début de cycle haussier, dans une phase neutre ou dans une tendance haussière, pendant un bear market, vous achetez là, vous vendez là, vous vendez là, puis vous vendez ici. Puis si vous rachetez là, vous vendez là, vous vendez là, puis vous vendez tout le reste ici. Puis pourquoi? Parce que vous allez vous fier. OK? Donc, à votre question, ça s'applique-tu en swing trading, les trois ventes? Absolument! Je suis d'accord avec toi, j'avais acheté du Bombardier à une pièce il y a plusieurs années, il a monté à 5 piastres, j'ai jamais vendu le titre, je m'en mords les doigts. Oui, c'est ça, mais ces affaires-là, il ne faut plus faire ça. Shop sur Toronto, bon point d'entrée. Les technos, oh, il y en a moins 10. Ouf. Non, c'est pas un beau point d'entrée sur Shop, rien qu'à voir l'indice des technos. Regarde, sommet. Creux ici. Bon. Mais, si on va sur Shop, qui est le suivant, il n'y a pas énormément de potentiel. Ce qui fait aujourd'hui, ça a été bon, là. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne pose pas la question, je ne sais pas la réponse. Mais, oups, on va mettre 15 minutes. Bon. Ça fait que leur shop, là, c'est 45,51. Donc, autrement dit, 5 piastres, à peu près. 5 piastres sur 50 piastres, ça fait du 10 %. Mais je vous conseillerais d'attendre au moins qu'ils traversent les 44 piastres et demi. Bon, moi, je vais vous laisser. Jocelyn va être avec vous à 14 heures, va vous tenir au courant de ce qui va arriver avec la fête. Moi, je dois aller passer des tests sanguins. Est-ce que je vais revenir pour la fin d'après-midi? Je ne sais pas, c'est à 2h30. Pas bien long, une prise de sang. Bon, si c'est possible, je reviens pour faire le dernier show. Si c'est pas possible, ben, ça va être Joss qui va être là avec vous. Puis, de ce temps-là, on a tellement de meetings. Là, on est en train de lancer le go-to-market de Reflex. Là. Piouf! Ça brosse, c'est le fun. Fait que, à plus tard peut-être ou à demain. Justin va être avec vous à 14 heures.